je prends de l'âge, gris et blanc. Je suis clean, ou j'en ai l'air, à moitié fier d'être has-been. Les orages nous menacent, on est pas sage et les jours passent, mais je vais pas vivre 200 ans. Je verrai pas 2100. Mon grand-père était né en 1893. Mon père a vu Hitler s'amuser de l'armée française, voguant dans une paix au champ des hirondelles. J'ai pas vu arriver l'heure du sang dans le ciel. Notre science est fiction, des addictions et des souffrances. On la pense solution et on l'encense en religion. Charger nos batteries, on fissure l'atome. Déchets, on sait pas quoi en faire. On laisse ça à nos mômes. Faut bien partager nos images dans des nuages qui chauffent l'air. Faut bien laisser les paysages se couvrir de pierres et de verre. Laisser les paysans se pendre au lieu de nous nourrir. Laisser le président se vendre avec un beau sourire. Laisser les escrocs diriger leurs péchés, on les lave. Laisser les animaux crever comme si c'était pas grave, et rigoler devant des chroniqueurs incultes, ceux qui n'ont que de talent, influencer, faire la pute, cracher sa haine sur un réseau, ça c'est vraiment courageux. Clasher sur un clavier, frérot, t'as rien à faire de mieux. Allez, viens dans les manifs, on peut y perdre un œil, ou tout casser pour reconstruire, prétendant que c'est ça qu'ils veulent. Non, tu préfères te mettre minable avec tes potes pour oublier. Le lendemain, dans le métro, te dire, on s'est bien amusé, mais t'es serré dans une rame, avec des gens que tu connais pas, le nez sur leur écran, ils savent même pas que t'es là. Tu respires l'odeur, déduis leur vie, de leurs habits, refuse la pièce à un chanteur, et pour toi, c'est que du bruit. Au bureau, fuse les salas, qui n'en ont rien à foutre. Tu vas taffer pour des rentiers, prier pour ne pas qu'ils te lourdent, rentrer pour mater une série où tu t'identifies. Des scénaristes jouent avec toi, ça amplifie, ça simplifie. Déjà tu casses pour ton vieux à l'EHPAD. Maintenant tu sais pour qui c'est mieux. Quand tu vois que sa couche est sale, ça te fait peur, ça fout les boules. Tes enfants feront quoi de toi? Ils disent déjà que tu les saoules. Tes fins de soirée, c'est guerre à la télé. Tu vas te paumer sur Twitter pour deviner quoi en penser, t'accaparer tes opinions en pensant avoir vérifié, et puis te dire que t'as raison devant des vidéos truquées. Allez, dis-moi, comment tu vois ton avenir? Allez, avoue, tu le vois pas, mais t'es comme moi, tu veux pas le dire. On attend juste que ça explose, pensant normal d'en échapper. On peut pas mettre le temps sur pause, ça va faire mal.